Quand on peut faire un tour du monde, tout en restant sur la place du Capitole, vaut mieux en profiter. C'est ce que propose l'association Agart, à travers son événement, Autrement Outre-mer. De la Guyane en passant par les Antilles, de la Polynésie en passant par l'île de la Réunion, sans oublier la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, nous vous proposons un voyage riche en culture et en saveurs. Tout simplement parce que nous devons apprendre à vivre tous ensemble en respectant les différences des uns des autres, quelles que soient les différences. Le vivre ensemble est essentiel aujourd'hui, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, certainement que l'hiver, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, encore plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que des rencontres de ce type-là sont absolument importantes pour justement permettre de faire en sorte de se battre contre l'exclusion, contre les ghettos. Toulouse, n'oubliez jamais, c'est une terre de justice, une terre de liberté, de tolérance. Et ce festival participe en effet à ce développement. Autrement Outre-mer en est à sa 5e édition. Les organisateurs du festival doivent innover chaque année. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y a de plus? Un tonnerre d'applaudissements pour cette jeune Antillaise qui développe sa micro-entreprise dans le textile et la mode.
Je ne vais pas la laisser quitter le podium sans qu'elle vous dise un petit mot. Bonjour. Alors, je vous présente ma création aujourd'hui, Afro Dreams. Je suis une jeune créatrice originaire de la Guadeloupe. J'ai commencé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ben, je vous laisse savourer. Je vous souhaite une bonne soirée et profitez du spectacle. Merci. Alors, quand le wax rencontre le madras, que yon se yon patrimoine, se yon héritage, que yon se yon capitaine pour un équipage, que yon va moins ouf, que yon va moins touf, que yon va moins ouf, en touf, que yon fait tout ça qui a parlé derrière, que yon fait tout ça qui parle derrière, que yon fait pour ça qui n'est fausse gourmet, pour ça qui les bas pour faire, pour je nous pas mal tourner. Je suis venu faire une prestation reggae dancehall, c'est ce que je fais un peu, musique caribéenne. Musique actuelle, quoi, pour promotionner la culture créole, la culture afro-caribéenne, quoi, à fond. Donc, on est venu soutenir l'association La Garde, et puis voilà, quoi, tranquille. Ils ont percé dans la chanson, ils ne savent plus qu'ils sont, leur carrière est mon paillasson. Dessine-moi un mouton. Original, garçon du son, c'est un paillard, le canasson. Ils ont le bif, j'ai la passion. Dessine-moi un mouton. Ils puent l'échec à des kilomètres. Steven Falla vient de sortir son premier album. Particularité de cet album, la diffusion se fait uniquement par clé USB. Nous demandons à l'artiste de nous en dire un peu plus. L'album, c'est Dessine-moi un mouton. Donc en fait, c'est un album qui est sur format clé USB. Donc en fait, on peut le connecter directement dans les ordi, etc. Et l'idée m'est venue parce que bon, plus personne n'utilise le CD pratiquement aujourd'hui. Donc l'utilité, c'est d'essayer de donner accès à la musique d'une façon plus actuelle, quoi, dans l'utilisation des gens. Donc voilà, c'est un album avec 21 titres, donc c'est 3 années de travail. Toute l'équipe de Jumpstation.com a donné la force, donc c'est une association à Toulouse. Beaucoup de beatmakers, Scandalize, DJ Christie, enfin j'ai eu beaucoup de soutien de la part des artistes underground. Vous pouvez l'avoir sur 7fire.com, le commander, vous le recevez chez vous sur 2 jours. Même si moi essayais de faire comprendre, l'homme c'est sensation pour moi. Arrêtez flipper comme ça, on l'a c'est doudou, yeah, piscolé. Piscolé, yeah. Après, regardez si j'en ai 16 ans parlé, vous voyez y monter.
Ben moi je pense que c'est une très bonne manifestation, c'est toujours positif de promotionner la culture créole. Après c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir organiser des événements de façon très fluide, c'est surtout ça qui est difficile. Mais petit à petit, bon, les choses avancent et puis on arrive toujours à représenter ce qu'on fait, ce qu'on est, donc c'est l'essentiel quoi. Même s'il y a des problèmes, quels que soient les soucis qu'il y a, ce qui compte c'est qu'on puisse présenter des choses au public et que le public soit content quoi. Thank you.